Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Inario et on se retrouve pour un nouvel épisode de Splatoon 2 mode héroïque. J'espère que vous allez bien. La dernière fois on avait terminé un niveau qui nous a permis de débloquer la bouilloire antique qui s'appelle Retour aux affaires pour Tentacube Vénère. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est un épisode de boss avec apparemment Tentacube qui serait normalement un boss qu'on retrouvait dans le Splatoon 1, parce que Tentacube ça me dit quelque chose. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui boss. Question du jour juste avant, à savoir, avez-vous, oui ou non, terminé Splatoon 2? Voilà, parce que nous, on avance à notre rythme, voilà. Et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà terminé Splatoon 2. Donc, s'il y en a certains qui ont le terminé, n'hésitez pas à répondre oui. Et au contraire, si vous n'avez pas le jeu, ou si vous l'avez, mais vous n'avez pas terminé le mode héroïque, répondez non. Pour ma part, vous l'aurez compris, la réponse est non, vu que nous sommes encore dans le monde 3, bientôt niveau 4. Donc bref, on est parti, boss, go! Pas besoin de partir en disant plus de trucs, je pense que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, à savoir si ce boss est bien là qu'on retrouve dans Splatoon 1. Ok, boss avec le double ancrage héroïque, donc ça c'est cool, très bien. Une arme secondaire pour un boss, c'est toujours original, donc c'est... On est parti. Même scénario que d'habitude, hein. Mais c'est violent à chaque fois. Devine qui en veut encore, Tentacube. Donc ça se confirme bien, c'est Tentacube, le même boss qu'on avait dans Splatoon 1. Je crois même que c'était le premier boss de Splatoon 1. Donc je suis assez... j'aimerais bien voir comment ils l'ont... comment ils l'ont refait. Parce que si c'est exactement le même boss, c'est pas drôle. Donc j'espère que c'est pas le même boss. Je vais dire quoi, comment ils l'ont remixé, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça, très bien, très bien, très bien. Allez, on va essayer de lui monter dessus. Je crois que c'était pareil que Splatoon 1, ça. Défonce tout ça. Nickel. Première phase terminée. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, c'est exactement... Alors ça, je crois que c'est nouveau. Est-ce que ce serait pas nouveau, ça? Il a attaché sa ceinture. Néo Tentacube. C'est nouveau. Néo Tentacube, ok, donc là, oh là 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 là, ils l'ont bien rendu agressif, hein. Ce qui était très très simple, je crois, comme boss. Attends. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Je peux pas lui monter dessus. Jette-toi sur le côté quand il essaie de t'écraser. Ah oui, c'est pas bête ça. Pas bête, Oli. Ok. Oh, je crois qu'il faut lui casser ça. Bouge. Je crois qu'il faut lui casser le devant de ceinture, ça là. Casse ça pour voir. Vas-y. Ah, je pense que c'est ça, hein. C'est même carrément sûr. Casse ça. Voilà. Ok, ça lui a enlevé ça, du coup. Mince, il est où? Ok, c'est bon, il est là-bas, donc ça va. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Voilà, il faut lui monter vite fait dessus. Un peu dessus, voilà. Nickel, et voilà. Boum. Deuxième phase terminée. Est-ce que c'est l'avant-dernière? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est cool qu'ils l'ont rendu plus fort. Waouh, ça part dans un délire. Autre contrôle final, très bien. Écoute. Waouh. Écoutez, je... Ok, là on peut pas prendre ça. Je pense que ce boss va être plutôt rapide. Bouge, c'est bien. Oh, c'est pas bien. Oh, je vais tomber. On l'avait vu. Attends, vite. Oh, ça, c'est impossible. Mais comment tu veux faire ça, toi, sans te faire toucher? Attendez. Voilà, en fait, faut que j'attende quand il fait ça. Ok. Voilà. Recule à toute blinde si tu peux pas esquiver sur le côté. Oh, ma bête. Mais tu es trop forte, Oli. Tu mets une aide précieuse. Très bien, ça c'est fait. On va pouvoir le terminer bientôt. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a qu'un seul sardinium sur ce niveau, donc c'est plutôt simple. Et qu'après avoir fait le boss, on essaiera d'améliorer nos armes. Vite. Le coup de grâce, peut-être. Le coup de grâce, eh oui! Magnifique! Eh ben écoutez, bon remix du boss, j'ai bien aimé. Rapide, mais efficace. Ok.
Bon, tu prends le sardinium. Oui, cool, on a terminé le niveau à 100%, c'était dur. Voilà, go! Et on l'a terminé en 2 minutes et 47 secondes. C'est tellement l'humiliation pour lui. Mais de ouf. Ok, maintenant il va devoir normalement. Voilà ça. Numéro 4. Laisse-moi d'abord te remercier pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ensuite, j'ai quelque chose à te dire. Il se pourrait que j'ai oublié un léger détail lors de notre première rencontre. Si je me souviens bien, je t'avais dit être à la recherche du grand poisson-charge. Et c'est vrai, mais en fait, il y a autre chose. Voilà. Je recherche ma cousine Ayo. Elle a disparu en même temps que le grand poisson-charge. Quoi? T'étais déjà au courant? Bravo, j'ai l'air fine maintenant. Bref, passons. Donc je suis numéro 2 de l'escadron Espadon, nouvelle version. Et Ayo est numéro 1. Révélation? Parce que dans Splatoon 1, on contrôlait numéro 3. Et celle qui nous aidait dans notre aventure, c'était la numéro 1 et numéro 2. Mais ils nous ont jamais dit que c'était Ayo et Loli. Et Oli, même si on le savait très bien. Donc là maintenant, c'est la révélation. Il y a aussi numéro 3 qui est avec notre pépé, l'amiral Kamal. Ma calamar. Ils sont partis pour un moment. C'est marrant qu'ils parlent de nous. Donc je faisais mon boulot d'amiral suppléante, je surveillais, et c'est là que tout est parti en vrille. J'aurais dû t'en parler plus tôt, désolé. Mais maintenant que tu es là, je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre. Aucun doute qu'on va retrouver Ayo. Il suffit de chercher, après tout. Du coup, tu veux bien m'aider encore un peu? Allez. Allez-vous-en. Quoi? Encore quelqu'un qui trafique les fréquences? Si j'attrape cette fripouille numéro 4, je lui ferai la tête au carré. Non, numéro 4 lui fera la tête au carré. Désolé, je me suis loupé. Bizarre, hein? Encore cette personne qui vous appelle avec une ombre particulière. Je ne dis rien, je ne dis rien, même si j'ai compris. Très bien. Donc on a débloqué le monde 4, enfin la zone 4 comme ils disent. Mais nous, on va pas y aller maintenant. On va du coup se TP à la zone 1 et améliorer nos armes. Bonjour, qu'y a-t-il par ici, Optimatron? Nous avons 1200 œufs de poisson, ce qui est pas ouf, honnêtement. C'est pas ouf. Et c'est tellement pas ouf qu'en fait, on peut rien s'acheter. D'accord. Et bah écoutez, c'est le fail! Première fois que la tradition ne perd pas. Voilà, je n'ai pas assez de poissons pour faire ça. Ce qui veut dire qu'on va s'arrêter là, les amis. On se trouvera pour le prochain épisode. D'ici là, je pense que j'aurai joué un petit peu pour améliorer un petit peu nos autres poissons. Je sais pas, je vais voir si j'ai envie de jouer ou pas. On va voir. Écoutez, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Répondre à la question du jour qui est avez-vous terminé Splatoon 2 mode héroïque? Voilà, question assez simple je pense. On se trouve très bientôt pour découvrir la zone 4. Vous avez regardé comment elle s'appelle. Elle s'appelle Garnison Siphon. Très bien. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut!